sont dans box audi. Pas de pause question, vous ne pas qu'elle est faire. Ça va Christophe? Kadia correct. On est beau. Get ça joli les temps là, nous avons beaucoup ça aujourd'hui. En plus on a mis des trucs bien colorés, comme si bien flashy flashy, c'est l'été, hein, on commence à mettre trop basse. Merci Fashion House. Alors aujourd'hui dans un petit les tours, nous fait un petit les tours bien nature aujourd'hui, ouais, n'est-ce pas Estelle? Très nature, très visite de choses ben, naturelles. Voilà. Et pour ça, nous prenons un petit camarade qui pour aider nous. T'allais, je peux découvrir que ça n'a, mais aujourd'hui que ça nous fait aller Estelle? Nous pial Roche-Noire. Les tours ont commencé, nous arrivons dans Roche-Noire et aujourd'hui nous prenons une guide bien bien spéciale, Christophe. Un amoureux de la nature qui peut montrer nous partout. Au fait, merci d'envoyer vos messages parce que c'est un bad du monde qui t'envoie un message. Ouais. Et nous rentrons en contact avec lui. Ben, Alzani, il s'appelle Nitin. Nous allez. Alors. Bonjour les Christelle, Christophe et Estelle, nous connaissons comme ça nous. Bon, okay. Estelle. Estelle, Estelle. Non, il a dit Christelle pour Christophe et Estelle. Estelle. Ah Christelle, voilà. Notre Dieu, c'est Christelle. Mais voilà. Pas mal. Franchement, on est dit bien. Allez, aujourd'hui, nous allons faire juste découvrir une grotte, un ancien tunnel de lave qui est dans Roche-Noire. Ouais. Okay. Et nous parler un peu découvrir normalement l'univers, une caverne, comment il était. Ouais. Et aussi, nous parlons aussi un peu de ban, la source, ban, lac. Comment c'est un lac qui nous trouvait dans Roche-Noire sur toute les gentils membres. Elle a fait super sympa, je ne parie pas aussi. Je parie, allez, nous je allez. Je ne sais pas si on est habillé beau parce qu'on est bien joli, joli aujourd'hui. Mais nous, écoute. Nous, bien, découvrir. Elle part bien. Mais on ne va pas nager tout de suite là. Non, pas tout de suite. Ok, là, on nous persiste dans la cave. Exactement. Allez, nous allez. Allez, toi, ça marche. Nous suivons toi. Je suis pas trop à l'aise avec le noir, c'est pour ça que je m'entends pas bien avec Chalem. C'est mal. Tout va. Revenir. Donc on a enfilé les amis nos toches, voilà. Je sais pas trop si on est sexy avec ça, mais ça a fait le job. Au moins nous trouve clair. Au moins nous trouve une barre. Raconte nous Nitin. Bon, là en ce moment, nous à la cave madame. Oui. Ok. D'après eux, qui fait nous appeler ça la cave madame? Parce que c'est extrêmement profond et noir. Nous avons fait plusieurs hypothèses, mais nous pas vous dire. Dis-nous toi. Bon, normalement, c'est pas qui à cause de la cave, c'est féminin qui nous associe avec madame, non? C'est. Oui, pas fait ça. Non, carrément. Ouais. Normalement, disons, bien longtemps, 40 ans de cela, sa caverne qui réservé juste pour madame. De ah l'eau ouais? Et madame, c'est l'utilité qui je pardonnez-moi. La lessive, baigner pour se garder. Ah, ok. Elle utilisait ça pour laver les vêtements et tout. Exactement, ouais. Et ouais. Wow. Ah, intéressant. Okay. Bon, mais Banjov, là, si vous avez gardé de propre. Oui, bien sûr. C'est une lutte, la cave pour Banjov qui appelle la cave motière qui trouve malheureusement loin de propriété privée, qui trouve l'autre côté chemin. Eh ben, ah, on apprend wow tout le temps. Et ça, c'était il y a 40 ans de cela à peu près. Ah, ouais, longtemps ça, ouais. Et t'as. Allez, top! J'ai hâte de découvrir. Mon reprimé, il faut me faire vrai, même visiter une vraie la cave. Super. Bon, allez! Je vais pas dire quoi que ce soit. Pas bizarre comment, tu vas te faire mal élevé là. Allez, non, allez. Tchou! Et là, de l'eau en bas. Exact. Ah, chou! Faut pas vous laisser vous trouver, venez voir. Mais on va marcher des gens tout à l'heure. De la bande prochaine qui nous pourra aller. Parfois il y en a deux, malheureusement. C'est pas la saison. Pas dire malheureusement, c'est heureusement pour nous. Oui, nous comptons. Je sais pas si on voit à l'image, mais il y en a des lots en bas là. Et all the way down. Et ça continue en fait. Normalement, ça continue, ouais. Wow. Hé, hey, vous wow êtes. Moi j'aurais dit quelque chose. Je vais pas me tourner directement à la caméra parce que j'ai des lumières, j'ai la toche. Vous êtes.
C'est pas parce qu'ils se trouvent à l'endroit comme ça, qui paraît comme un maritop, marifun, que je pensais qu'ils étaient capables de venir tout seul, sans un guide, sans un monde qui connaît exactement comment c'est, comment ça fonctionne ici. Qu'il ait des lots montés, I don't know. It could be very dangerous. Ouais, il faut pas. Donc pas order, pas order, s'il vous plaît. On est marre content que le temps soit aussi joli que ça, mais nous peut commencer à griller, Estelle. Voilà, mais d'une sens douleuse aussi, parce que nous peut commencer à transpirer grave. En fait, enfin, Christophe pourrait c'est que c'est t-shirt de la journée, donc je vous laisse imaginer ce qu'il y a en dessous. Allô, Nitin, vous trouvez quel track là, côte sans été et côte sans nouvial? Alors, la noix Rochno, ouais. Au niveau de Porc ou de Santé de Rochno, normalement, nous dans un ancien chemin de fer. Ici, là. Tout ça, voilà. Là, c'est un chemin de fer. C'est l'ancienne voie ferroviaire, au fait. C'est wow. Le train qui peut passer dans l'île Maurice. Nice. Normalement, ça relie Grande Rivière Sud-Est, passant par Pose de Flaque, Brado, Roche-Noire, Rivière du Rempart, Pamplemousse pour aller à Fourmi. Waouh! Nice. Okay. Et là, nous allons... pas prendre beaucoup ça fait. Oui. Et ça va changer comme si la donne dans un petit léto. Je pourrais prendre quelque chose aujourd'hui. Pour une fois. Ouais. Et là, nous allons dans la direction de quoi là? Rivière du Rempart. Non, ici, là, ça fait Rivière du Rempart. Normalement, Rivière du Rempart, tout dans sa direction là. Ouais. Mais nous pouvons aller explorer une caverne, une tunnel de là. Parce que vous Rivière du Rempart. Rivière du Rempart, ça fait un peu loin. Ça fait loin. Allez, loin, allez, dictez. Au-dessus. Nous marie par. Le truck, en fait, ça vous dit voilà le nombre de caves qu'il y a. Il y a plusieurs caves et on vous montre où passer. C'est génial. 4, 5, 6, pas ici. 5, 6. Un petit peu plus devant. Normalement, tu veux dire, c'est un tunnel, ça, au fait. Et c'est relié? Exactement. Normalement, à partir de la cave madame, si tu remontes vers le plateau central, c'est genre un petit tunnel, mais à différents intervalles, le plafond est effondré. Qui donne naissance à plusieurs entrées surtout. Oh, c'est incroyable. Wow. Normalement, ça fait dans le 4 à 6 km de longueur. Ouais, nous a fait comme ça. Mais on va pas faire 4 à 5, 6 km aujourd'hui, n'est-ce pas, Nité? Ne donne-toi un démarre. Elle aime beaucoup. Ça même n'est pas dans du 500 mètres. 500 mètres, nous maximum. Mais allez, ça, c'est sûr. Faut faire une baisse, ça va allez, okay. Allez, on a hâte. Franchement, en fait, moi, je connais Roche-Noire un tout petit peu, mais je savais même pas qu'il y avait ça ici. Est-ce qu'ils autres, tu connais? Moi, je savais. Moi, nous avons venu à moi, je savais pas du tout. J'ai hâte de voir. Christophe, tu regardes dans le décor. Ils vont dire qu'ils sont comme plage. Quoi de Christophe est fait? Christophe! Quoi qui était? Normalement, ça c'est un plan, ça c'est un feuille. Je dois deviner au fait, il y a un épice. Il faut sentir, allez. Qui allez, on va être nul. Je retiens. Je sais pas. Ta caméra là, sens-tu? Allez, un guess. Gulab jamun. Ouais, par contre, ça va être gagné. Attends, heureux. Je sais pas, ça me fait sortir. Enfin, je sais pas si tu. Allez, nous pouvons donner un indice. Ok, normalement, il y en a un fruit. Il est bien minuscule. Un fruit minuscule. Framboise. Non. Allez. Il y a un fruit rouge. Non. Ah oui, normalement, quand il est mûr, il est rouge. Un goyave de chi. Non, mais seulement nous servir quand il est sec, il est noir. D'accord. Top Janou là. Du poivre. Hein? Exactement. Du poivre. Qu'est-ce qu'il a dit? Du poivre. Du poivre. Sauvage. Eh, j'allais, franchement. Mon carré sorti de la main, go. Ouais, facile. Ouais, bon. Normalement. Moi, je sentais pas le poivre. Je sens quelque chose de piquant un peu, mais je pensais citron. Normalement, si tu peux sentir un poivre là, avec ce feuille, tu peux gagner sa goût là, assez similaire. Ah
Mais wow, ouais. Aztèque qui te jelly et qui m'ont sorti de la main, c'est vrai. Exact. Et ben, tu t'as fait un bon nez. Papa fait ma confiance parce que c'est mes derniers goulab jamoul, zodim, des citrons, bref. Normalement, c'est pas la saison. Là. Peut-être dans encore prochaines 2 mois, 3 mois, qui nous trouvent ce ban fruit, commence ce routier, etc. Okay. Okay. Et c'est beaucoup de habitants normalement qui connaissent sa valeur, sa ban petit planta, ils viennent faire la récolte, etc. Wow, génial! Franchement, c'est pas si bien, nous tu passes droite ou tu vois. Nous tu peux passer droite, et jamais si tu n'as pas deviné, nous tu peux connaître. D'ailleurs, nous pas le connaître, nous essayons de deviner. Christophe, c'est moi même que casser la crème solaire, mais c'est faux, je lui ai rendu. C'est vrai, il a fait ça. Et menti. Non, il va avec moi. Mais il m'a reprêté encore aujourd'hui parce qu'il est très chaud, on va griller. Tout d'abord, vous avez tout le moment commencé. Yes. Comme je disais, à gauche, de toi à gauche. Comme je disais, de droite, nous à droite. Nous zigzaguer, comme on dit. Ok. Comme je disais, à ciser, nous à ciser. Et plus important, le silence total. Ah, il ne faut pas parler. Ouais. Tu fais. Pas de moi, il a chauve-souris. Ah, non, allez, vous venez tout à l'heure. Bon, est-ce que je trouve ça va un petit peu envolé là? Ouais, il y a marre beaucoup. Normalement, ce sont des hirondelles des caves, communément appelées des swiflets. Swiflets, ok. Pareil comme le swift qui va plus vite, ok, petit. Et ils sont petits donc. Exactement. Ouais. Normalement, ça va nous là, je te servis le écho, le son. Pour, c'est-à-dire que émettre un son. Ah, comme la chauve-souris. Exactement, soit comme des baleines, comme des dauphins, etc. Ouais, pour qu'ils soient capables de localiser un peu les objets, les contours qu'il y a devant eux dans le noir total. Quoi. Okay. Ok. Alors, c'est fait causer en même temps, ça fait une tendance. De... Ouais, et qui va arriver. Bah, je peux venir dans une direction et nous pouvons. Exact. Ok. Donc, vous n'allez pas nous entendre parler, mais next suivre, je vais vous montrer la cave. Là. Si nous causez. Prochain shot que vous trouvez de nous, Salem, Manus. Allez, mettez-tous. Hein? Mettez-tous. Je suis curieuse de voir ce qu'on va découvrir en fait. C'est la première fois que je vais ça là, donc je ne sais pas quoi attendre. Je suis un petit peu stressée. Je pense que depuis qu'on t'a dit chauve-souris ou les hirondelles, je ne sais pas quoi là, non? Et surtout quand j'ai pas causé. Chose qu'on arrive très difficilement à faire, Christophe et moi, parce qu'il nous cause tous les temps. Mais t'es une récif, elle nous reste tranquille. Alors, c'est là, nous pas connaître si vraiment ça ou bien les six pas envie de nous. Les six pas envie, c'est la tête fait mal. Ah ouais. Il en a mort, ça fait 10 minutes qu'il est avec lui, il en peut plus déjà. Allez, quand je te parle. Allez, c'est bon. Non. Là. Ok, avec c'est bon. Okay. Top, on est prêts? Allez, on fait attention là, vous autres. Oui. Et surtout, on reste tranquille. Alors, question. J'ai pas vraiment de question. Moi, je trouve le thème un peu bizarre. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'il y avait des eaux avant là. Exactement. Si. C'est un peu boueux en fait. Normalement, les tunnels de lave, les hack comme un marécage qui absorbe l'excès de l'eau qui est là. Ça te balade excité là.
ou c'est dans ta tête? C'est dans ta tête. Ok. Normalement, ça m'a dit rondelle, je te marie curieux, en fait. Comment je trouve un humain, c'est pas une personne, une, dans je, l'environnement. Ils viennent voir. C'est ça. Ben, le vrai Maurice, hein. Exact. L'étant Maurice performé, la lave qui s'écoule. La lave, c'est comme le caramel, ouais. Ok, le sucre épais. Ouais. Alors, qui est arrivé, l'étant lave peut couler, la partie extérieure solidifie en contact de l'air, de l'eau, etc., d'objets, je ne sais pas, autre que, bon, on est non, un autre affaire qui refroidit sa lave extérieure là. Ouais. Ouais. Et qui est arrivé, sa partie intérieure là, elle est toujours liquide et elle s'écoule. Il y a rien. Arrive un moment, elle crée ça, un bulle à l'intérieur. Okay. Et c'est ça qui a formé ça. Exactement. Et là, pendant tout le long, 6 km. What? On est dans une bulle d'air, entre guillemets. Exactement. Oh! Avec le temps, avec la pluie, l'ancienne coulée de l'eau, etc. Nous ne pouvons pas dire que c'est une ancienne rivière qui peut couler là. Oh, wow. Eh ben, on va pas aller plus profond que ça, non? Non, ben si. Si. Ben ouais. Ok. Quand tu rentres dans une trou, tu es obligé d'aller tout au fond. Allez, ok, ben. Le conseil de Nitin aujourd'hui. Voilà, les amis. Allez, vas-y, Nitin. Allez, on te suit, on te suit. Mais ça, c'est histoire qu'il ne fallait pas nous causer là, vraiment, hein? Tout doux. Tout doux, ok. Allez, rate. Donc, vraiment, tu ne fais pas en disant une hauteur. Mais même dans une carte, on voit des défis, quoi. Ouais. Je sais pas. Maniche. Ça roule là? Oui. Je sais pas si on entend, parce que tu entends ce... Comment t'appelles ça? Éco... Comment t'appelles l'éco? Écolocalisation. Écolocalisation? Exactement, écolocalisation. Écolocalisation. Je sais pas si je peux t'entendre, mais pour nous là, c'est loud, hein, parce que je peux t'entendre. C'est pas comme ça vraiment, mais... Marie-Glissée. Ouais, un peu Marie-Glissée. Non. Oui. Tu n'allais pas glisser, moi. Hé, hey, guitare. Tu veux bien, hein? C'est des nids. Voilà. Wow. Tout ça, ce sont des crottes? Vous êtes venus voir. Venez voir. Alors, moi, mon petit-père. Que t'as un coup de pistolet. Aïe! La terre, la marine mouille ici, c'est que ça change. Non, pourquoi? Et là, Nitin me dit non, mais c'est pas la terre, ce sont des crottes. Donc, les crottes des hirondelles, le caca. Voilà. How nice. Ça triffe. Un petit latou dans caca. Je regarde, tu vois pas que tu as besoin des zombies vont venir là. Ou bien de la lave qui va venir, oh, comme ouais. Si. Ici, il y a l'espèce de forme ligée là, on va dire. Normalement, ça c'est le tunnel Anaconda. Le tunnel Anaconda? Oh. Ouais. Mais Pénan, on y est de telle sorte ici. Je préfère dans la monture, toi. Oh my god, on va passer là-bas là. Non, c'est par rapport au relief qu'il y a. Oui, c'est la grosse amour, c'est la pointe ici. Et c'est fou, hein, ça bouge de partout. Ouais, c'est hyper impressionnant parce qu'on voit des oiseaux. Get là-haut. Ouais. Et dans mon la tête, je peux caca l'eau, nous. Oui, c'est possible aussi, je pense. Vu la quantité de caca qu'il y a au bas. Qu'est-ce que tu dis, Nitin? Je pète des affaires, lui aussi. Ça, on va pas au courant. Effectivement, vous croyez que j'ai fait une caca l'eau, moi. Côté. Est-ce que tu as aimé? J'ai fait une tombe au moins. Mais... Non, c'est dans ta tête, ça. Mais dans la caca l'homme, hein? Non. Mon fille game, hein? Toi-même. Allez, dites. Alors, une dernière affaire. Oui. Normalement, là, ce sont les hirondelles en pleine saison de reproduction. Ah, c'est pour ça qu'elles sont aussi ouais. Live, ça, là? Et tu as des nids ouais. Des hirondelles. Il y a plein de nids partout. Ils sont assez exceptionnels. C'est bizarre. Upside down, comme si des nids upside down. Là, tu vois ceux qui sont en train de casser le poste, comme si c'est les rochers. Ouais, là, tu vois. Wow. Tu vas vraiment croire que ce sont des chauves-souris. Qu'est-ce que Je sais pas. Et je ma jambe. Question, je connais ta manière rondelle, là, comment je fabrique de nids. Comment ils font là? Ouais, ils vont dehors, ils prennent les petites branches. Comment ils font là? Normalement, si. Je prends cheveux, ben, du monde qui visite ma cave, là. Ah, nice. Non, c'est peut-être normalement, je propre la base, okay, je écrite, je propre la base, ouais. Je servis ça comme un lacol, et je servis un petit brindis, un petit affaire, comment dire, pour recoller ça ni là.
sur le paroi des rochers. On a envie de tenter une petite expérience pour montrer eux aussi à qui point c'est noir ici et si nous peinons à la lumière, ben à quoi ça ressemble. C'est l'idée d'Estelle, hein. C'est pas mon idée ça. Hein. Je sais pas si on va être vivant après ça. Allez, Chalem, taille à l'os. Oh my god. Je vois une petite... Et c'est fou, hein, tu vois absolument rien. Il y a zéro, je vois même pas mes mains. Je vois pas mes mains. Je vois pas mes mains. Je vois un petit bout du masque de Chalem parce qu'il y a un reflet de caméra. Mais sinon, rien. Pour te dire à qui point Estelle pas peut trouver, ça c'est magnifique. Chalem est là-bas. Allez. Sorry Manish. Non, je vois que c'était Manish, mais je sais pas pourquoi c'est Chalem qui saute. Faut pas venir. Allez, on continue. Mounouka va allumer la lumière. Oui. Merci. Allez. Attention. Voilà. Allez, et surtout, allez. Pas morse, l'eau, pas tout ce caca. Allez. Voilà, les oiseaux sont tout prêts, en fait. Ouais, très bas, très, très bas. Ouais. Je sais pas si vous voyez, là, mais ils sont juste en haut. Oh my god. Ne colle pas trop beaucoup, Estelle. Oh, oui, qu'est-ce que vous mangez bien? J'ai un peu peur. Oh, là, ils sont marqués. Hé! C'est marqué bas! Wow! Ça fait envoler le coup! Ok, faites attention à la tête. Aïe! Wow! C'était top d'être en dessous, mais ça fait du bien d'être en haut. D'être remonté, franchement. T'es là? C'est fascinant. Waouh, c'était top. Fascinant. Ouais, c'était une belle expérience. J'ai marre aimé. C'est intéressant. J'ai, aimé, ouais. J'ai un peu flippé à la fin quand le ceiling est très bas. Et qu'il y a les oiseaux qui sont là. Mais ça va. Ça me fait penser à ton imitation de dauphin. C'est la même chose. Comme ça, même si on communiquait. Faites-nous aller à Salanité. On a le numéro 2. À la baiser. Ah, maintenant. On l'aime. C'est juste à côté. Exactement. Oh my god. Ah ouais, là c'est un peu plus steep. Hein? Attention à la tête. Vous autres, messieurs, faites attention à la tête. Hein? Ça riait, la scène riait. Nervous love, ça. Anxious. Bye. Allez, ciao. Bye bye, à demain. Tu sais pas pour venir? Non, non. Ansel pour venir? Non, non, tu dis. Viens, Manish. Oui, je viens. Tu vois pas ça, hein? Des couleurs. Ah, les couleurs, ouais. Oui, les roches. Ben oui, là, ça te fait penser vraiment à de la lave, en fait. Les petites roches qu'on avait quand on était petits. Ah. Waouh. Ah ok, oui, ici oui. Je me sens safe, parce que oui, littéralement, tu vois la sortie à côté. Et c'est à ce moment-là que Nathan dit, il y a un autre tunnel juste pour là. Passe ici. C'est top. Mais est-ce que je comprends comment dire qu'il y paraît man-made? Ça bout là. Je comprends qu'il me redire pour là. Ça fait déco de cinéma en fait, en vrai, ouais. Hop! Tungali! Un crotte! Ah merde! Filmez! Quand ça donne la caca! T'arrêtes de filmer, t'arrêtes de filmer. L'homo caméra! L'homo va venir, c'est. On est essoufflé avec le masque. Ça y est, j'allais dire exactement la même chose. Marie est essoufflée avec le masque. J'avoue que c'est un peu dur, mais c'était top. C'était génial. On a adoré les câbles. Franchement, Nitin, Marie, c'est bien. Merci, Nitin. Et ton travail pas. Tant que fini. Paris, ici, là. Hein. Quand ça t'amène, nous, ça coule. On nous a baigné. Ouais. On a fait une base qui a fait le trou diable. Trou diable. Allez. Est-ce que vous avez une serviette? Non. Non. Bon, il est vrai, nous planifier pour aller naser, pour aller trou diable, etc. On va faire ça après parce qu'on arrive midi moins 15.
Zone Rima, ok? Nous pas une manche dans l'île, puis grand matin, nous pas une manche dans l'île. Donc là, on a super faim. C'est ça qui vient installer d'ailleurs, on va dire là-bas, nous arrivons dans base manger. Puis nous trouvons dans la route, nous arrivons, madame la Marie correcte, se manger Marie bon. C'est vraiment une tendée, mais jamais moi nous goûter, puis nous ne prenons pas le goût de ça. C'est salmi mangouac. Déjà, mangouac, j'ai déjà entendu, mais pas en salmi. Ouais. Tu vois? Qu'est-ce que tu sais, Christophe, d'avoir entendu? Eh, tu peux et en tout cas, manger là, une s'est vu marrer rapidement, hein. Mais marcher avec mes alors, spécial, bon, pas bon. Tout bien goût là. Ben, c'est un fruit de mer. Ouais, c'est un c'est quoi l'angoisse exactement? Ben, tu connais moule? Ouais. Oui. Tu manges là-bas le restaurant, etc. Ouais. Ben, mangouac, là, c'est une famille des moules. Ouais. Et c'est normalement, Mauricien connaît comme un apôtre, ça. Voilà. Raphaël moule dernière fois, guettez Christophe. Guettez. Aphrodisiaque, Christophe, t'en as besoin? Pas bien, pas bien. Ah, c'est pas restant, mais bon, on attend. C'est bon. Est-ce qu'il peut mettre les oeufs de manger? Oui. Et toi, une minute. Elle va pas mettre les oeufs. Oh, wow. Après? Yes, madame. Merci. Ah, madame Paris de Marie, bon, donc pour moi, parce que c'est désargumenté. Vous mangez avant, vous êtes. Vous pouvez finir comment souffler là, madame? Ça m'a l'air, madame, il a pris un petit peu de temps. Tout non. Allez, top. Merci, madame. Je te le prends. Maman me prend une huit pauvre rôti avec un 10F, mais je suis pas prêt off my road, donc je me prends un 10F bien cuit. Et regarde ça, et j'adore parce que les huit, tu sais, il y a un bon bouillon là. Tu connais pas plus sec. On goûte. Alors? Et il était une valise à l'endroit, il est mis, j'aime bien là. Top, c'est. Oh ouais. Ah ouais. Karen, N, ou N bout d'auto. Ouais. Demande ça dans là. Ça? Ouais. Ah le porc rôti là. Ah, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé porc, on peut tout ramarrer bon là. Non, mais bon. Ah, c'est madame, une jam. Pas mettre piment en plus. Tu mets tes assises là, il faut. Ah, ok, bien. En même temps, salmi, c'est obligé d'être bon, non? T'es obligé de manger un petit piment dans salmi, sinon, à quoi ça sert? Ça a l'air mieux pour lui. Ouais, on essaye, oui. Vous avez envie de lâcher de l'ail, là? On a roulé ça, là. On a roulé. C'est bon, vous êtes là. Tchou! Marchons! Qu'est-ce que c'est que le bébé coulé à cause de ça? Lui, ça m'a fait. Et pourtant, on va pas mettre piment, non? Et tu fais marrer transpirer là, non? Bon, piment pas mouk en moi, non? Allez! Manu, je peux gagner fort. Oui. Ça lève, toi. Marie, bon. Pourquoi je me demande comment on va nager après? Non, là, ça dit là pour demander toi, pour histoire. Ouais? Ouais. Pour rentrer quand même. De là. La sauce pour histoire, là. Ouais. Faux? Marie, bon. Ouais, un peu faux, mais mettez un peu plus mal. Marie, bon. Ça boule là, guettez. Zéro, il reste plus rien, il reste un petit bout de la graisse, etc. Mais sinon, rien, les amis, et c'était là, c'était un vrai bon mingui, c'est-à-dire pas sec, même après 10 minutes, vous pouvez manger, il pas collé, etc. Il a une bon la sauce, et moi, ça pour croûte là. Et Christophe a dit, mon quoi, que c'était bon. Prochaine fois, peut-être, je vous montrerai. C'était bon, les garçons? Ah oui. Ouais, bien mangé? Correct, Carlos. Est-ce qu'il nous paraît pour le naser? Ouais. Ouais, mais c'est ouais. Allez. When I sans moi, sponsored item, you're welcome. Mais c'est un petit sobé quand même, si bien jeudi. On est en plein été, c'est normal. Fait chaud. Allô, nous pial dans sa petite base nasée là.
Oui. Et qui nous permet aussi pendant 15 minutes avant qu'il nous arrive dans base là. Nous pas connaître que ça nous peut aller, mais nous fait confiance. Nous manger l'eau, mais on fait confiance à Nitin. Nous fait confiance à Nitin. Ok, Nitin, allez. Tellement, je suis limite, j'ai envie de rentrer dans un Christophe! Non, regarde ça, regarde. Guette ma niche là, l'on vient, moi aussi, depuis taille là. Ce lipier même, quoi, c'est souillé, puis il rend l'âme. Montrez ce souillé. Ouais, bravo ma niche! Coucou! Estelle et moi, on a un petit remerciement à faire. T'as des sodas patates. Oui. Ouais, nous avons fait un remerciement là, Stella oui. Même. Vous êtes, merci énormément pour tous vos messages que vous êtes capables d'envoyer. Ou même quand vous nous arrêtez sur la route, ouais. Vous parlez, vous nous dites à quel point ça vous fait du bien de regarder l'émission, surtout dans le contexte actuel. Et même nous, ça nous fait du bien, ça nous donne du courage en fait. Énormément. Et surtout pour Mme Mauricien qui envoie une bonne message aussi de à l'étranger. Ouais. Comme ça, ça amène Mme Mauricien un peu plus près de Zot et ça fait nous marrer plaisir. Beaucoup d'immunes qui créent nous depuis l'Italie, l'Angleterre, l'Australie. Et puis à nous, à vous comme au ville Maurice, comme en vacances, me finis que les codes nous pour aller acheter. Me finis faire la liste correcte. Il faut nous envoyer de l'argent. Mais merci beaucoup. En fait, nous t'avons content de faire un petit clin d'œil à notre camarade Fabrice Coiffic qui fait l'émission Off-Road chaque samedi sur One TV. Que vous aimez bien suivre aussi, qui est au Marseillais et sous beaucoup d'immunes créaliers également. Et ben justement, Lynn Vinici, non? Lynn Vinici, Lynn Vinici une fois, et d'ailleurs les caves aussi, les t'y déjà passé. Nous pas faire pareil comme Ali, ok? C'est différent. C'est différent, c'est tout dans même l'endroit. Non mais suivez Off-Road avec Fabrice Coiffic qui emmène nous dans une petite base nature. Qui et puis ça, vous êtes même pas baronné. Après ça se voit qu'il est hyper motivé, il aime bien ce qu'il fait, il adore la nature, c'est un sportif. Et l'Itimédia, dernière fois, par exemple, il a mon grimpe montagne avec Bruno Raya. Ouais. Qui voilà, qui dit allez, faut, comment dire, m'arrive vite et qu'il adore ça. Donc voilà, il partage son amour avec vous. Et au moins, elle, l'émission qui dit à nous comme ça, si bien prend un biscuit, ça nous bien passer, ouais. Etc. Ça est intéressant des aussi. Parce qu'il va tout du monde qu'on dire. Allez. Et attends, Christophe, il nous dit ça. Il a dit maintenant commenter. Il nous dit avec Christophe, Charlem, il gagne sa licence. Christophe, est-ce qu'il gagne sa licence? Hé, ce peut cause, man, vieux causé. Depuis quand on gagne une licence, s'il vous plaît, monsieur? Le mois dernier. Christophe! Automatique ou bien manuel? Moi, garçon. Automatique. Ce qui est plus facile. Moi, automatique parce qu'il est plus facile. Okay. Mais bravo, Christophe. Bravo. Merci. Bravo. Non, c'est bien 36 ans. Bon, on est ciseaux pour trouver à l'image, mais il y a des poissons tout en bas. Ouais, il y a plein de poissons. Et en plus, l'eau est claire. Des poissons, c'est un gros poisson, ça. Allez, oh, ça allait là, vous êtes. Allez, attends, je tiens mes. Casse-l'aise. Je connais mon soulier pas vraiment adapté. Pour la plage. Non, mais pas pour la plage, mais pas pour aucune place. Surtout, comment mon chaussette, je mets mon chaussette en dos là. Ça plie à moitié. Est-ce qu'il me coupe la zone là? Non! Très sexy tout ça, Christophe. C'est une coupe zone, ouais, t'as, hein, checké. Elle n'y a pas trop de trucs. On voit tous les poils. Ouais, tout le monde poil du pied. Tu sais, il y a un petit poisson qui vous vient de manger. Tout bas la peau mort. Non, les pieds, Christophe. Il y en a beaucoup. Et là, à ce qui paraît, il y en a beaucoup. Donc, ou bien là, justement, mon pied n'a pas beau, t'as quoi ça, pas fait venir. Imagine moi, je rentre et puis t'as 50 et tout. Je pensais ton mot tout court. Et à côté là, je parle. Eh, moi, on est là. Ils veulent pas. Vini, frère. Ils ont pas faim, Christophe. Le pied trop blanc. Ouais, non, le goût est toxique. Que vous montrez, nous là. Je vais plonger, je vais montrer les poissons. Allez, mon passe sur la caméra là. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas si on va voir.
sauf si les mains gauche. Mais que tu ne sais pas où mettre ton pied. Donc je vais juste y aller, ok? Ah, c'est pas nouveau! Oh, j'adore! Rentrez des... Ah, c'est le best! Franchement, c'est pas mal. C'est profond, en fait! Je ne sais pas où je mets les pieds au bas. Mais tu peux essayer de poser les pieds en bas. Mais c'est Marie profond. Mais j'ai les guides. Alors, vous êtes Sadé Lola. Estelle disait ça un petit peu plus tôt. Vous n'avez qu'à rien là? Non. Ok. De loin, non. De loin, non. De près. Chalem, vous êtes né propre? Ouais. Ouais. Estelle, tu peux dire quelques secondes de cela. Qui première fois, Dinaz dans de l'eau douce. Et moi aussi, je pense que c'est la première fois. Mais c'est top en fait! Ouais. C'est le la Marie bon, n'est pas frais! N'est pas c'est frais! Juste. C'est juste! Merci les tines! Ouais. Merci les tines! Et on a fait du nitin, hein, c'est beau, c'est beau! Et Estelle, tu n'as pas pu dire non, Guy Potou, non? Mais j'étais un groupe venu, toi, t'es un gros! C'est juste les tines! J'aime pas! Moi, je suis pas d'accord, qui? Je suis pas encore gay, je suis pédi qui? Et moi, je vous dis, blême ça, hein. Quand on écoute dans GoPro, dans l'image, on dirait, les plaît un petit bout de mort, qu'est-ce que ça l'est. C'était Marita. C'était le Lafré. C'était le Maribon. Voilà. Mais malheureusement, il y a un petit bâton, c'est le petit mec qui l'a. Mais. Dès le là, Marie, bon, c'est génial. Là, c'est super fait. C'est génial, génial, génial. Franchement, tu bisavini. Coup diable, non? Coup diable. À conseiller, franchement, Marie-Top. Et c'est Marie, bon, comme Estelle disait, dès le là, sur tout d'un chaleur comme ça, les is à point. Parfait. Aussi, autre chose. Quand tu as l'intégrité plus en fond, la côte Nitin était là. Tu n'as pas pu dire à qui point. Tu n'as pas gagné pied au fait. Là, tu as gagné pied, là, devant, là, tu as gagné pied. Mais après, tu n'as plus gagné pied du tout. C'est pour ça qu'on est soufflé là. Parce que pour continuer à parler, pour garder à flotte, mais ça demande un peu. Un petit peu. D'endurance qu'on n'a pas. Voilà. Mais top! Feu! Nitin, ouais. Montrez-nous quoi, champion, mange-toi. Je pense pas qu'on est enfin pas loin, mais que la mer n'est pas si loin que ça, je veux dire. On les débouche sur... Bon, il y a une rivière, ouais. Mais les débouche sur la mer. On est là. No way! Oh. Ça veut dire que si nous continuons un petit guide là, un peu dans la droite là, mais nous gagnons la mer. La mer. Ouais. Et c'est impressionnant, et c'est uniquement avec le drone qu'on arrive à voir tout ça, là-bas. Quoi. T'es une bonne rentrée? Mais pour rentrer c'est plein là, le plein c'est Chalem. Oh, vous voulez pas passer par ici là, non? Non. C'est bizarre, je me dis que c'est différent là. Okay. Là, bon, comment je trouve ça là, nous, dans une forêt mangrove. Ouais. Et tu vois la vase, les sédiments qui sont amassés. Un peu vert, ouais. Vert. Un peu comme ça là. Ouais. Normalement dans les spas asiatiques. Ouais. En Thaïlande, même en Chine, je pense. Ils utilisent ouais. ça? Ouais.
pour... Déjà pour le corps, exactement. Pour le visage et tout là. Tu fais parce qu'il y en a une bactérie vivante qui est bonne pour la peau. Wow! Exactement, wow. Ça va être la peau morte. Pareil qu'on a une terre de fiches pas... Yes, yes, yes. Mais alors, on a une bactérie normalement qui peut venir... Tout ça va là. Eh ben, c'est pas parce que l'IPDS, ça qui a celle-là, je dis bien vite, il prend l'y aller. Pas sans figure, pas sans les bras. Pas comme ça qui mort, c'est ça, ok? N'est-ce là comment il était, merci. Mais c'est beau là de voir des mangroves comme ça et d'apprendre ça là. Surtout, on apprend quelque chose aujourd'hui, on apprend plein de choses. Ou bien passe devant. Passe devant toi. Non, vas-y, toi, je veux voir où tu piques pas. Non, pas toi. Ah, passe devant. Qui a? Allez, non, allez. Vous êtes guetté quand Clip est passé là. Hé, hey, Nitin. J'ai fait un gros splash là, direct. Ça va? Est-ce que t'as vu ma tout court? Parti! Allez, Chalem! Chalem une tasse. Les enfants la côte tasse. Non, plus bon que le droit tasser nous. Pas arrêter Manitine, tu peux pas arriver là, tu peux pas arriver. Tu n'as pas la mer à la plage de Roche-Noire. Quelle belle journée en tout cas. À Roche-Noire, c'est top. Marine et ça, on a été blessés avec un temps magnifique, sublime. Magnifique, avec, c'est top. Avec de la compagnie. Merci beaucoup à Nitin qui fait le déplacement. Merci à tous ceux. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis. Camion peut passer, camion peut passer, camion peut passer. Nous allez, merci à tous ceux qui nous ont accueillis aujourd'hui. Alors nous avons visité Van Drot, nous avons une super mini. Nous avons nasé dans... Nous avons mangé. Beaucoup mangé dans du lasagne, ça peut faire mal à jusqu'à terre. Déshydrater. Et soif. Montrez ça petit là un petit coup. Merci à l'été. Merci l'été. He's the man. Ouais, nous a fait découvrir tellement de choses aujourd'hui. Et on voulait vous dire aussi, stay safe les gars. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de porter vos masques. Et voilà, de faire attention. Et on se retrouve quand? La semaine prochaine. Allez, gros bisous. Ciao. Bye bye.